sick of love songs, I'm tired of this. And I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, and open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. Alors les amis, ça y est, on se retrouve pour le début de ce vlog, le début de cette aventure vers le Royal Rumble. Regardez qui est avec moi, vous le reconnaissez, c'est monsieur Catch Power. Non, non, c'est pas comme ça. Mais je sais pas le faire moi sans... Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir... c'est un talent, on peut pas l'improviser. Donc nous sommes actuellement à Washington DC, on attend notre avion. Columbia. Bien vu. On attend notre avion pour Dallas. Dallas, exactement. Smackdown. Donc là, on a une petite escale de quelques heures quand même, hein, donc 3 ouais. heures. Donc là, ça fait déjà 2 heures qu'on attend. On va bientôt embarquer. On a mangé de très très bonnes pizzas, tu t'es régalé. Ah ouais, c'était l'horreur. On aurait dû filmer. On aurait dû filmer. Bah, c'était dans, nous avons fait un live pendant ce repas. Sur Instagram. Sur Instagram. Donc pour ceux qui l'auront vu, faites-le savoir dans les commentaires si vous étiez présent pendant ce live et vous avez vu notre réaction en direct. On s'adapte. On s'adapte à la bouffe américaine. Mais pas de coca. On s'est fait une promesse avec Aurélien. Pas de coca du séjour. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va nous coûter cher parce que l'eau est très chère ici. Mais on va tenir notre promesse. Bon allez. On se retrouve dans l'avion en direction de Dallas. Là, ça part, on n'a pas le temps. Hein. Le pilote est déjà là. Il a dit on rigole pour les gars, le vlog, c'est vite fait. Hein. Ah bah tiens, le v'là. Voilà, Aurélien, on va où là? Là, on va dormir. Là. C'est fini. Rideau. Mais non, bien sûr. Bon, là, on va au Royal Rumble. Non, ça, ils savent. Hein. Oui, on va à Dallas, surtout. On va à Dallas. Un dernier vol avant d'arriver à Dallas. Ouais. Ici c'est le Texas, ici on mange texan, ça rigole pas. Des beaux ribs.
Le Feb. Du coup, t'en penses quoi, toi, niveau bière, on est plutôt équipé ou pas là ? C'est plutôt frais quand même. C'est quand même plutôt frais. Ouais. Bon, après, t'es un Normand, ça m'étonnerait pas que tu la bois pas. Mais vu que je suis breton, je pense que ça va couler dans le gosier. Hein. On vous dit ça après, ça coule. Ça part. Un vase, c'est des vases qu'on achète. Nous, on reste pas jouer là. Hein. Bon là Aurélien, on est où là ? Là on est en train de monter les marches du AT&T Stadium, stade qui a accueilli WrestleMania 32. Autant vous dire que c'est assez exceptionnel. Voilà, Aurélien, tu peux me dire où on est là ? Là, on est au AT&T Stadium. C'est un endroit. Et donc là, on est carrément sur la pelouse. Hein. C'est quand même la classe. Ouais, là, c'est la classe. Alors, il est quand même, assez immense, on va pas se mentir. Donc, c'est là qu'a eu lieu WrestleMania 32. Et franchement, donc il y a une attendance de plus de 100 000 personnes. Pour WrestleMania. Une capacité maximum de plus de 100 000 personnes. Ouais. C'est immense. Franchement, c'est exceptionnel, un très très beau stade. Hein. Franchement, ouais, il est quasiment tout neuf. Hein. Il a été construit en 2005 et il est ouvert en 2009. Donc il est quand même très très récent. Il a été renommé en 2013 parce qu'avant il s'appelait le Cowboy Stadium. J'ai appris mes cours. Hein. Il a révisé avant. Wikipédia était là pour moi. Il a surtout écouté la visite guidée. Ouais. Mais franchement, vraiment pas déçu de cette visite. Maintenant, on vous montre la suite. Ça part maintenant. Regarde comment il est concentré l'autre là-haut. Ouais. Déjà sali par tous les gueux présents. Oui, on sait d'ailleurs qu'il y a quelques gueux français présents au premier rang. On les embrasse. C'est grave. Oui, balance-le sur les Français, vas-y! Ah, dommage. Et j'en connais un qui vient de passer. Et assis! Par-dessus la barrière de la sécurité! Assis les Frenchies!
la division masculine que féminine. Oh, arrêtez de les montrer, les Français. Ah, ils les aiment bien. Ah oui, mais ils ont raison, c'est des mecs bien. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour suivre leur voyage. Axel et son compagnon Enigma. Bon, en j'aurais jamais son vrai prénom. Oui, on passe à autre chose. Non, c'est pas ça. On les adore, c'est pas le problème, mais... Show me your love and leave me breathless, breathless.